Et si on veut immobiliser l'aviation ennemie, on noie leur aérodrome dans le brouillard. Et le plus fort, c'est que personne ne peut nous accuser. Ce n'est pas comme une arme nucléaire qui génère des radiations dont on peut retracer la provenance. Ici, personne ne peut rien prouver. Donc, je le disais, si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus Vulcain, c'est-à-dire à la forge. Faire peur, la maintenir, la créer et l'exacerber jusqu'à rendre les gens malades de cette propagande, c'est la charte de torture de masse de Biderman à tous les niveaux, sans répit et sans réelle opposition de fond en haut de la pyramide, ni à tous les niveaux de verrouillage de l'échelle sociale, peuplée de capos zélés, gardiens du temple sectaire, de faire appliquer leurs règles incohérentes, délirantes, injustifiées, délétères. À coups d'amendes et à coups d'arguments mensongers, en boucle partout, d'infox, de panneaux publicitaires, de suiveurs, décérébrés, muselés et archipicousés, à tous les coins de rue de notre vie. L'esprit de ruche de l'esclave calibré pour obéir et même justifier, défendre sa servitude à tout prix, fait le reste.